Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui c'est des productions. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler pas forcément de ma chaîne YouTube, hein, parce que bon bah voilà, mais plus de mon site internet que j'ai remis à jour il y a peu et que je remets à jour tous les jours maintenant en ajoutant des petites options, etc. Donc là je vais vous présenter. Donc juste vous montrer que si vous voulez y accéder, au lieu de vous prendre la tête à chercher le lien, etc., vous allez sur ma chaîne YouTube, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, et vous allez tout simplement dans mon à propos, ou alors même dans ma petite barre ici, ma bannière, il est là mon site, voilà. Donc voilà, vous cliquez sur la petite sphère et vous allez arriver sur mon site. Pourquoi je tiens à vous parler de mon site internet? Car tout simplement, je l'ai remis à jour, il est tout beau, il est tout neuf. Et puis, vous allez avoir, pour ceux qui vont aller s'inscrire sur ce site internet, des petits avantages par rapport à ceux qui n'y seront pas. En tout cas, pour ceux qui sont sur ma chaîne, hein, évidemment, parce que si vous ne connaissez pas, vous en battez un peu les couilles. Donc sur ce site, vous allez retrouver mes créations, donc mon portfolio, etc. Donc mon showreel, donc tout ça, c'est pour ceux qui veulent voir ce que je suis pour passer des commandes, etc. Ici, vous aurez le nombre de visiteurs. Je compte sur vous vraiment pour éclater ce score, enfin ce chiffre, pour le monter à fond. Ensuite, vous allez accéder à mon portfolio. Bon, tout ça, ça vous intéresse pas forcément. À part si, comme je vous l'ai dit, vous voulez voir ce que je fais pour passer des commandes, blablabla. Donc voilà, j'ai refait un site hyper propre. Avant, il était vachement sale. Ensuite, vous avez un petit truc à propos de moi, donc un petit peu mon parcours, etc. Ce que j'utilise comme logiciel. Là, vous avez l'ensemble de mes travaux que j'ai exposés. Donc, ce sont des travaux que je considère suffisamment bien ou propres pour mettre ça sur mon site. Et là, ça va être intéressant, mis à part le fait que contact et tout, etc. Bon, après, je vous laisserai découvrir un petit peu le site. Quand vous allez accéder à l'onglet tutoriel, donc vous aurez des tutos de proposer, mais il y aura évidemment une connexion à faire. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment que je vous en parle pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Donc là, je vais me déconnecter parce que de toute façon, voilà, vous allez arriver normalement sur une page qui sera comme ça. Donc, vous inscrivez, ou alors moi, enfin, de toute façon, je le fais avec Facebook, hein. Le plus simple, voilà, et là vous aurez accès du coup, on s'en fout de ça, au tuto. Donc là c'est quand il veut. Voilà, donc normalement, je sais pas trop ce qu'il m'a fait, mais vous êtes connecté. Et là vous allez avoir accès à des tutos. Donc évidemment, pour l'instant j'en ai mis qu'un parce que c'est le tout début. C'est un tuto qui est déjà sur ma chaîne, qui est assez vieux. Je vais en mettre d'autres. Donc pour commencer, je mettrai les bases sur ces 4D, etc. Donc, ce sont vraiment des tutos sur tout ce qui est design, motion design, etc. pour vous apprendre ou vous améliorer ou approfondir vos connaissances dans le domaine. Ou même découvrir, hein, y a pas de souci. Là vous avez moyen de poster un commentaire, donc je sais pas, venez voir mes tutos et également sur Facebook, et là hop, on publie, puis ça va sur Facebook. Et voilà, vous pouvez aussi partager la vidéo, le site avec le petit bouton share qui est ici. Et si vous avez des questions, vous voulez vraiment me parler, etc., vous avez le petit bouton chat ici, donc qui vous amènera directement sur Skype et vous enverrez une invite à moi. Voilà, vous ouvrez Skype, pas de soucis, ça fonctionne très bien, je l'ai essayé. Donc là, ça va vous faire connecter sur Skype, pas de soucis, pas de virus. Vous inquiétez pas, si le petit onglet qui s'affiche, c'est pour vous demander si vous voulez connecter, donc lui on s'en fout. Voilà, donc là je suis sur mon compte, mon vieux compte, et là il m'a directement mis sur mon compte, du coup sur lequel vous allez pouvoir me contacter. Donc vous, ce sera pas comme ça, vous aurez juste un truc différent, donc vous devrez m'envoyer une invitation pour pouvoir parler avec moi si jamais vous m'avez pas en ami. Et puis voilà, donc ça marchera comme ça. Donc on va quitter Skype parce qu'on s'en fout. Sinon, si vous n'avez pas Skype, etc., vous pouvez directement chatter via le site internet avec moi en cliquant ici. Donc il est marqué chat with the pro, donc c'est moi. Et là vous allez m'envoyer un message, une pièce jointe, tout ce que vous voulez, donc je sais pas, blablabla. Et ensuite moi je le recevrai sur mon portable, je pourrai parler avec vous en direct, enfin si je peux, hein, évidemment, et répondre à certaines de vos questions. Donc ce petit onglet est vraiment pour parler avec moi. Et si bah, vous avez des pauses, voilà, vous pouvez commenter, partager les tutos, ça m'aidera du coup ça m'aidera clairement, hein, au niveau visibilité. Une fois que vous avez vu tout ça, vous pouvez aller discuter avec d'autres membres qui
eux peuvent aussi avoir une certaine expérience dans le domaine si vous voulez en apprendre. Vous allez dans mon petit onglet mort et vous allez dans Member. Et là, vous allez voir déjà tous les membres et ainsi que la possibilité de vous inscrire à la newsletter. Donc la newsletter, c'est en gros, c'est une sorte de petit pop-up, de petite notification qui vous arrivera par email pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur le site. Donc quelque chose de nouveau, ça vous évite d'aller toujours, voir sur le site, voir si un truc est sorti. Donc je ne l'ai pas testé, mais normalement ça doit bien marcher. Donc vous êtes invité à le faire ici avec un petit pop-up que vous pouvez fermer. Et ici, donc voilà, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières mises à jour. Au niveau des tutoriels et des freebies, donc il y aura certainement des scènes 3D à gagner, des textures, plein de petits trucs comme ça que vous aurez gratuitement en vous inscrivant sur ce site. Ensuite, si vous avez des questions à poser, pas seulement à moi mais aussi aux d'autres membres que vous pouvez retrouver sur ce site, vous allez dans le chatroom. Donc sur cette chatroom, il faudra vous connecter ici. Donc même système, vous pouvez vous connecter avec Google+ ou Facebook. Normalement tout le monde a ça. Ensuite, une fois que vous aurez ça, hop, vous allez apparaître ici, vous allez pouvoir parler, salut, voilà. Et ensuite, vous voyez, je sais pas, un truc comme ça, bon. Je vous explique pas de principe, hein, c'est comme tout. Et ensuite, vous aurez le forum. Donc le forum va être essentiellement là pour partager aussi, hein, mais pour partager et faire des demandes, des tutos. Donc par exemple, là, j'ai mis récemment, du coup, ces deux petites choses, donc voilà. Ça s'appelle Expose, donc vous allez retrouver des travaux à moi, ou pas forcément moi, mais à d'autres personnes qui veulent bien participer au développement du site. Vous cliquez ici, voilà, puis là vous avez un tuto pour tous ceux et celles qui voudraient une astuce pour refaire ce genre d'image. Voilà, après vous avez l'image en grand, donc voilà. Possibilité de mettre un commentaire, d'envoyer une photo, vraiment un truc de partage. Là j'ai fait en sorte que plein de gens puissent partager un max, parce que je sais qu'il y a plein de petits qui débutent, pas forcément petits en taille, mais qui débutent vraiment et qui peuvent se poser plein de questions plutôt que de se casser les couilles à chercher plein de tutos sur internet ou des conneries comme ça. Vous pouvez venir voir ici, demander aux autres des conseils ou même des liens redirigeant vers d'autres tutos, parce que je ne vais pas tout mettre sur mon site, c'est impossible, je n'aurai pas non plus le temps. Donc voilà, vraiment un truc de partage pour apprendre. Franchement, je vous invite vraiment à tous y aller. Donc après, vous avez aussi l'onglet donation, alors ça c'est absolument pas obligatoire, ça je m'en fous, je l'ai vraiment mis au cas où il y aura vraiment des âmes charitables. Mais ça, voilà, c'est vraiment là pour, on va dire, entre guillemets, décorer quoi. Ceux qui veulent y aller, ils y vont. S'ils veulent pas y aller, ils y vont pas, hein, clairement, mais c'est pas pour ça que ce site est créé. Voilà, ensuite, pour tous ceux qui voudraient passer les commandes, bah, vous avez un petit formulaire ici à compléter. Voilà, ou alors vous pouvez directement vous contacter sur Skype. Voilà. Donc, en tout cas, c'était tout. Donc, je vous invite vraiment à faire un petit tour sur le site, à vous inscrire si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de choses, à me laisser des avis positifs. Si vous aimez bien le principe et les choses que vous allez pouvoir retrouver dessus, vous pouvez partager sur bah du coup le petit bouton share en bas dans la chatroom et dans les tutos, donc un petit share ici, etc. Comme ça on sera une petite communauté à partager un petit peu nos connaissances, nos savoir-faire, et comme ça on pourra avancer plus vite. Pour l'instant je vais faire du C4D essentiellement, donc du cinéma 4D, logiciel de 3D. Pour tous ceux qui ne maîtrisent pas ce genre de logiciel et qui ne veulent pas vraiment se lancer dans du design 3D, j'essaierai de trouver des personnes ou même hein, le faire pour des tutoriels sur Photoshop, sur After Effects, d'autres logiciels de design comme ça. Comme ça, il y aura vraiment une multitude de connaissances à prendre sur ce site. Et j'espère que vous serez vraiment nombreux pour tout simplement voir ce que je peux proposer, puis partager un maximum le site. Ça va m'aider, moi, puis peut-être un jour devenir famous, hein, qu'est-ce que vous en dites? Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais pas vous embêter plus. Je vous laisse vraiment aller voir ce site. Donc, comme je vous l'ai dit, il est juste ici pour tous ceux qui ne savent pas, qui viennent par ma chaîne YouTube. Si vous allez sur mon Twitter, c'est pareil, vous allez accéder directement en allant sur le tweet que j'ai épinglé. Voilà, je l'ai juste épinglé ici, donc pour voir mon travail ou prendre des commandes, allez sur mon site maintenant, voilà. Puis ensuite, pour tous ceux qui me voient sur Skype, bah, c'est pareil sur Skype, sur mon profil Skype, alors qu'il y a tout sur mon site, n'hésitez pas vraiment ensuite à le partager un max, si ça vous plaut. Je vais pas vous embêter plus hein, en vous disant faut partager, vous partager, parce que de toute façon, je me répète, et puis si vous en battez les couilles, je vais pas pouvoir changer ça.
Et je vous dis un petit salut à toutes et à tous et à bientôt peut-être sur mon site. Allez, ciao!